Alors, bonjour et bienvenue. Tel qu'annoncé dans le courant de l'été, pendant la période estivale, on vous avait promis un point de presse pour récapituler tout ce qui est la fin de saison du Blizzard et l'avenir du Blizzard en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va vous créer une petite émission, telle que promis, avec les questions du public qu On a reçu un grand nombre. Ça nous a pris aussi un certain temps pour tout comptabiliser tout ça et vous pouvoir répondre aux meilleures questions aujourd'hui. Donc, d'entrée de jeu, Pierre-Luc? Je veux remercier premièrement tous les partisans. Tous les partisans qui nous ont envoyé énormément de questions. Euh, ceux qui nous accrochent à l'épicerie, qui nous accrochent un peu partout aussi, vous avez plein, plein de questions. Malheureusement, on n'a pas pu répondre dans l'immédiat. C'est dommage, je le sais, mais on a des petites choses qui sont en branle, qu'on ne pouvait pas agir sur le coup tout de suite. On est en attente de certaines euh, réponses aussi. Deuxième des choses avec les questions que les partisans nous ont faites, je veux les remercier aussi. Au niveau des commanditaires et des partisans, il y a beaucoup de commanditaires qui se sont impliqués à la cause du blizzard, ça on l'apprécie grandement. Il y a des partisans qui nous ont fait des dons, qui ont parlé d'activités de financement pour nous aider. Les commanditaires ont embarqué au niveau des activités de financement aussi pour nous supporter, puis ça, ça a donné un grand coup de barre. Euh, dans l'été, des fois, bon, euh, j'ai eu un petit « down », à un moment donné, où que « pouf euh, », ça sortait de partout. Puis avec ça, les messages que j'ai reçus, les, les, les dons que vous avez faits, puis les commanditaires qui ont dit « on embarque », nous autres aussi, pour supporter ça, euh, je vous dis un grand, grand, grand merci. Là. Euh, on pense à Jean Coutu, on pense à Juliette Killa, je ne vais pas tous les nommer pour ne pas les oublier, là. Euh, pour être sûr, là, l'UNIC, la compagnie d'assurance, tous ceux qui ont embarqué, là, euh, je vous dis euh, merveilleux, là, lâchez pas, puis continuez. S'il y en a d'autres qui veulent embarquer, on est ouvert, go, on fonce, on va foncer, et puis c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui parce qu'on y croit. Euh, donc, on a trié les questions. Euh, Martin, on a reçu beaucoup de questions euh, sur, euh, sur euh, par la page Facebook du Blizzard et aussi en privé. Pour, on a reçu aussi beaucoup de questions sur l'affaire euh, Mayotte. C'est l'affaire oui, la, de Philippe Mayotte, mais étant donné, par respect des procédures qui sont en cours, ben, il n'y aura pas de, de détails qui seront dévoilés aujourd'hui. Il faut, faut, faut comprendre que euh, l'affaire Mayotte est en cours et que les avocats nous ont demandé d'absolument rien mentionner sur ce dossier-là. La seule chose qu'on peut vous confirmer, c'est que oui, Kevin Talbot et Philippe Mayotte sont euh, poursuivis au criminel. Ils ont passé le 8 septembre et j'étais présent et ça a été remis au mois de novembre parce que l'avocat de la partie de, euh, qui poursuit était absent. Ça a été remis en novembre. Et puis, je peux vous dire aussi, pour vous confirmer, que le blizzard de Saint-Gabriel, Pierre-Luc Payette et Philippe Mayotte ont reçu aussi une plainte le au civil là, euh, en dommages et intérêts euh, de la part de Louis-Étienne Leblanc. C'est ce qu'on n'a pas eu de date officielle, mais c'est ce qu'on a reçu. Ce qu'on peut juste vous confirmer, si ce sont les faits. Malheureusement, pour les autres questions, il y en a eu énormément. On ne peut pas répondre sur rien de ça. Je suis sincèrement désolé. On avait dit qu'on ferait ça sans filet, mais évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas là, dévoiler officiellement. Donc, on va enchaîner avec, euh, avec tout ce qui s'est passé, la fin de saison et le, le, tout ce qui a suivi après ça, les réunions à la Ligue et tout. Est-ce que le Blizzard mérite simplement son sort? Ben, Je suis obligé de dire que non. Absolument pas. Le Blizzard mérite pas le sort qu'il a subi, c'est-à-dire d'être expulsé d'une ligue. C'est une communauté au complet qui perd automatiquement un joyau parce que le Blizzard attirait énormément ici le samedi soir. Il faut, faut, faut dire que l'été, bon, c'est le lac, c'est la plage, toutes ces choses-là. Puis l'hiver à Saint-Gabriel, c'était le Blizzard. Mérite-t-il son sort? Absolument pas. Euh, ça fait depuis quoi? 96 que je suis le seigneur. Oui. J'ai peut-être euh, euh, été dans, la, dans le gros mood où cas, il y avait des Bob Burger, des Michel Lorando, des Pierre Pelletier, des Bob Desjardins qui coachaient, des Lucien Paquette. Et puis eux coachaient euh, en disant ou géraient l'équipe en disant que le partisan est très important autant que la victoire. Le blizzard, Martin, tu toujours fait ça comme ça. Euh, c'était ma façon de gérer, c'est vrai. Je le disais que c'était euh, important pour moi de faire ça. Et puis, c'est important le spectacle. Et puis, c'était important aussi d'avoir du monde dans la cabane puis que les partisans étaient heureux. J'ai rien contre la façon de coacher des, guichou des guichouinards, des des Dean ou des Jean Perron. Mais personnellement, ce n'est pas des choses que je trouvais qui étaient euh, attirantes. Euh, bon, la Ligue nord-américaine avait 5000 personnes par match et puis euh, 6000 et puis maintenant, s'ils ont 1000 personnes, ils sont quasiment contents depuis cette nouvelle mentalité-là de coaching. Puis ça s'en venait un petit peu comme ça dans la Mauricie. Au début, on avait 600-700 personnes. À la fin, quand on avait 450, bien on était content d'avoir 450 puis c'était anormal. Là où est-ce que je dis que le blizzard ne mérite pas son sort, c'est que beaucoup de partisans m'approchaient cette année pour me dire « Pierre-Luc, me semble que ça brosse moins ». Il me semble qu'il y a moins d'action dans les matchs. Il me semble qu'il arrive moins d'événements, moins de choses. Euh, bon, il y avait beaucoup moins de bagarre générale. Moins... Beaucoup de partisans m'accrochaient pour me le dire. Et puis là, whoops, au premier incident, automatiquement, on dit, bon, mais le Blizzard, c'est terminé. Merci, bonsoir, tu prends la porte sans rien confirmer, sans qu'on ait be euh, besoin de pouvoir changer des choses, montrer qu'on veut améliorer, c'est « tu prends la porte, tu t'en vas ». Donc, je considère que le bizarre ne mérite absolument pas ça. C'est une injustice qui est totale flagrante. Et puis, je, 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 je. Saint-Marc a décidé, il y a trois ans, qu'ils ont subi la même injustice, c'est le même sort, et puis que c'était totalement inacceptable pour eux aussi, en passant. Saint-Marc n'aurait jamais dû subir ça non plus. Eux ont décidé de ne pas se battre, et puis aujourd'hui, Saint-Marc a confirmé parce que mmh. malheureusement, ça l'a fait beaucoup trop mal ce qu'ils ont subi. Il est hors de question que je laisse faire ça à Saint-Gabriel sans, sans me battre. Et puis non, pour répondre à la question du partisan, non, le Blizzard ne mérite absolument pas ce sort-là, et je veux qu'une personne neutre vienne trancher ce litige-là, parce que non, je calcule que le Blizzard ne mérite pas ça. Parfait. Et ensuite, euh, pourquoi est-ce que vous restez amer envers la Ligue? Euh, pourquoi je suis amer envers la Ligue pour plein de choses? Euh, je calcule qu'on n'a pas été... Euh, euh, pas, le mot, c'est n'est pas traité équitablement, mais je calcule que ça a été facile de dire, euh, c'est terminé, vous vous en allez. Je suis fermé pour différentes choses. Bon, il, il est arrivé des choses au niveau de la Ligue. Là, de, Là, deux ans, si vous vous rappelez, saint anne euh, à l'époque, appartenait euh, à François Milot. Ils avaient décidé de, euh, de fermer les ligues et ils voulaient déménager à l'Arena Fernand Asselin. Euh, à l'époque, il y avait eu un vote, dont j'étais gouverneur, et puis le vote était 3-3 pour accepter ou non s'il déménageait à Fernand Asselin. Et puis moi, j'étais le quatrième à voter pour faire le 4-3, pour décider si Saint-Anne allait à Fernand Asselin ou pas. Fernand Asselin est à 10 minutes du cadre de -la Madeleine. Le cadre de -la Madeleine, avec Mike Aubry, vient me voir, et puis il me dit « Pierre-Luc, si tu acceptes Fernand Asselin, bien moi, le cadre de -la Madeleine, je dois fermer ». Donc, je vais te demander s'il te plaît de prendre en considération tout ça. Bon, euh, je me dis OK, Mike me dit ça. Bon, ben j'accepte, Mike. Je vais te, on, dit, on appelle ça encore moi de sauver les fesses. Moi mm -hmm. sauver les fesses, je prends le vote pour le Cap de Madeleine. Donc, malheureusement, François Millot a dû vendre son équipe de Saint-Anne, arrêter de faire du hockey parce que Fernand Asselin ne passait pas. Et Mike Aubry a gagné son point pour avoir l'équipe du Cap. Mais euh, même chose avec euh, Gilles Veillette. Gilles Veillette, euh, le deux ans ou le un an, capable de Oui, à l'époque de saint tite Pas capable de trouver suffisamment de joueurs pour venir jouer le match. Il nous cancelle le match à 12 heures d'avis. Euh, le soir, bon, euh, on ne peut pas jouer le match. Gilles Levit a, a pas de, de joueurs. Moi, je l'appelle un peu fâché parce qu'il est obligé de canceller le match. Il, bon, il est sur l'émotion un petit peu. Il me dit Pierre-Luc, pas beaucoup de joueurs. Qu'est-ce que le Blizzard décide de faire à ce moment-là On a fait un échange avec lui pour l'aider. On y a envoyé Harvey, on y a envoyé Perez, on y a envoyé Maltais, on y a envoyé Joe Rochon, on y a envoyé Desjardins, on y a envoyé Jimmy Wyatt pour dire Gilles je comprends ce que tu vis. Là. Je vais t'envoyer un paquet de joueurs. La transaction, on va la faire comme ça. Et puis ça va te permettre de finir l'année. Gilles Veillette vient me voir euh, après la saison me dire Pierre-Luc, merci, tu as sauvé ma saison parce que je me questionnais à savoir si je devais continuer à faire du hockey ou non. Et puis grâce à ce geste-là que vous avez fait le bizarre, je ne t'en remercierai jamais assez. Et bien, euh, je, peux, je, peux, je peux enfin dormir tranquille et me rendre à mes matchs tranquille. Autre chose, le Luc Thibault nous appelle, il ramène Pat cette année qui était banni. Mm -hmm. Ça passe à un vote. Puis, Luc, j'aimerais ça ramener Pat Tessier. Ça va amener du monde dans mon arena. Ça va faire grandir la ville. Bon, le Blizzard, acceptez-vous. Correct, mon Luc. Le Blizzard va accepter euh, Pat Tessier. Il n'y aura pas de problème avec ça. Même chose pour Saint-Cyril au niveau de David Lizotte. Il voulait avoir David Lizotte. c'est un petit gars de la place. Il avait besoin de ce de joueur-là pour être un peu plus compétitif. Le Blizzard comprenait. Tous les votes ont fini 7 à 1. Le 1 a toujours été euh, le, le blizzard. Et puis, même chose pour, euh, pour le président Alain Beauchamp. Il y a deux ans, une petite réunion s'était prévue pour euh, expulser Alain Beauchamp de la Ligue. Et puis, c'est Gilles Piette, le président de l'époque, qui avait mis son poing sur la table pour dire euh, « Je ne participe pas à une réunion comme ça pour mettre le président dehors, je me lève et je m'en vais. » Ça avait coupé la réunion en deux et puis on avait poursuivi la réunion. Donc, Gilles Piette avait un peu sauvé le job euh, d'Alain Beauchamp. Pourquoi que je mentionne ça, c'est que... Euh, six mois après ou un an après, le Blizzard a besoin de ces gens-là. Le Blizzard a besoin de Mike Aubry, à qui qu on, mm -hmm. qu on peut sauver les fesses avec Fernand Aslin. Le Blizzard a besoin de Luc Thibault, à laquelle on a accepté pas de Tessie. Le Blizzard a besoin de Gilles Vaillette, que le Blizzard a lui a envoyé 7-8 joueurs. Quand il venu le temps de dire, est-ce qu'on expulse soudain le Blizzard, bien, personne n'a levé la main pour dire, bien, le Blizzard nous a aidé dans le passé, c'est à nous de l'aider. Non. C'est comme un ascenseur, c'est pour le C'est ça. Même chose pour Louisville. Louisville, euh, ils un match contre le Blizzard à 5 heures, ils n'ont pas de caméraman. C'est 500 dollars d'amende. Louisville nous appelle... Le Blizzard accepterait-il de fournir un caméraman pour nous sauver le 500 d'amende Pas de problème, on se grouille à partir, on arrive à 5 heures, on installe le caméraman du Blizzard pour filmer le match, pour éviter le 500 d'amende, fait la copie du DVD, remercie. Grosse poignée de main, merci, on vous remerciera jamais assez, jamais assez, mais quand que le Blizzard a besoin, oups, 4 fantômes, 5 fantômes, puis pourtant le Blizzard a toujours tranché en faveur des demandes des gouverneurs. Et là, quand vient le temps, de nous, de dire écoutez, on aimerait ça avoir une chance, on aimerait ça. Non, c'est terminé, on passe à autre chose. Tout ça pour un événement qui est arrivé. C'est ce que je trouve que je suis un petit peu amer envers ça. Et c'est là-dessus que, que j'ai de la misère un petit peu. Là. OK. Et suite à toutes ces, 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 ces choses-là, la fin de saison et le, 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 le non-appui euh, de nos autres collègues des autres villes, là, pourquoi le bizarre ne passe pas tout simplement à autre chose dans ce cas-là? Parce que je considère que c'est important de mettre son pied à terre. J'aurais très bien pu dire, OK, euh, comme le fait Saint-Marc, deux ans, OK, c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de, de, la de, de des chances. Sans laver les mains, pour s'enlève les mains, je passe à autre chose. Je, je continue mon travail dans la vie, parce que le lézard, ce pas mon travail dans la vie de tous les jours. Là. Je, je, je passe à autre chose, je, je continue, je fais ma petite vie, je m'en vais me dorer au soleil, je fais du bateau, puis la vie est belle. Mais je me suis dit que non. Pourquoi? Parce qu'on a perdu une équipe en 98 à Saint-Gabriel. Puis j'ai toujours mentionné que c'était important pour moi qu'une équipe reste à Saint-Gabriel. Et puis je vais me battre pour ça. Euh, pourquoi je vais me battre pour ça? Parce que je calcule qu'on a été un petit peu euh, tassé vite et puis sans fondement officiel. Là, présentement, ce, ce qui se produit, c'est qu'on pense que sur des technicalités, on a raison sur certains points. Un petit peu comme un. Si je peux comparer, mais en moins gros, un petit peu comme Tom Brady et sa suspension, les Patriotes se sont dit que c'était injuste et puis qu'il y avait des, des défauts ou des technicalités au niveau de la ligue, puis on ont devant un juge pour la faire renverser. C'est un petit peu la même chose. Donc, dans la vie, on a comme deux choix. Soit qu'on se laisse piler dessus, ou soit qu'on se dit non, on subit une injustice, et puis on fonce, et puis on se le fait confirmer par quelqu'un euh, à ce moment-là de, de neutre qui va nous dire non, vous a, ce qui vous arrive. Vous le méritez, ou oui, ce, que vous, ce qui vous arrive présentement, bien, vous vivez une injustice. C'est ce que je me dis, et puis on va faire valoir nos points. Nous, on calcule qu'au niveau de la Ligue, bon, j'avais j'avais Gaby Rock que je voulais amener une réunion, on l'a toujours refusé. Euh, dans la Réunion, on a accepté, par exemple, Sébastien Vouligny, qui est entraîneur de Saint-Léo. Lui, on l'accepte sans problème, mais au Blizzard, on refuse la présence euh, de Gaby Rox. OK. Il euh, y a plusieurs petits points ensuite qu'on a remarqué dans les procès-verbaux ou ces choses-là dans les règlements qui sont des, des petits points importants où est-ce que, oups, ça a passé tout droit à ces petits points-là. Là... Là on va se battre pour ça, on va en parler tantôt, ou est-ce qu'on va l'être mais euh, c'est... Pourquoi qu'on passe pas à autre chose, puis que je me la, me la coule pas tranquille, c'est pour ça. C'est parce que Saint-Gabriel mérite une équipe, et puis je vais tout faire pour, 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 le, pour le laisser là, et puis pour me battre pour ça, puis c'est ce que je veux continuer en ce sens-là. Oui. oui, parce qu'on a des partisans en or à Saint-Gabriel. Oui, là. oui. Puis souvent, des autobus se sont organisés, les partisans nous suivent à l'extérieur autant qu'à l'aréna. Oui, puis c'est important de dire, là où est-ce que... Euh, que je ne veux pas passer à autre chose, c'est parce que c'est pas compliqué. Le 15 mars, bon, arrive l'événement. Euh, ensuite de ça, on dit euh, Pierre-Luc Payette et Philippe Mayotte sont les problèmes de cette équipe-là. Bon, parfait, Philippe Mayotte est suspendu à vie. On n'a pas plaidé la cause de Philippe Mayotte, on a accepté la suspension à vie. On dit Pierre-Luc Payette comme entraîneur, on ne le veut pas, c'est le problème. Moi, je dis, pas compliqué, Pierre-Luc Payette, il va retourner en hausse à la passerelle, manger des sandwichs. Gabi Rock va prendre l'équipe au complet, à 100% des décisions et tout ça au complet. Moi, je vais manger mes sandwichs et je vais regarder mes matchs tranquilles. On me dit non, on dit Pierre-Luc, peut-être comme propriétaire, ça ne marche pas. On ne le veut pas comme propriétaire. Bon, je dis OK, je vais, à ce moment-là, je vais donner l'équipe. Euh, je vais donner ou vendre l'équipe à Gilles Piette. Mais c'était donné à Gilles Piette parce que Gilles Piet, c'est quelqu'un qui a investi énormément de temps. C'est lui qui l'a amené ici et qui, qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures là-dessus. Et puis je vais la donner à Gilles Piet. Je la donne à Gilles Piette. Gilles Piet a écrit à la Ligue oh, est-ce que je, je prendrais l'équipe du Blizzard Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y un problème la Ligue refuse en disant hum, « Gilles Piette, c'est trop proche de Pierre-Luc Payette, on refuse ça aussi. » Bon, je me dis « OK, d'abord, à ce moment-là, j'ai un appel d'une personne, un tiers, qui est un, quelqu'un de saint un acheteur potentiel, un acheteur potentiel de Joliette, qui me dit « Pierre-Luc, moi, je vais acheter l'équipe. » Parfait, excellent, j'ai pas de problème avec ça. Mais mon petit X, c'était quelqu'un de Joliette ou de Saint-Paul. J'ai toujours mentionné que moi, le Blizzard, je le voulais à Saint-Gabriel. Et c'était important pour moi que ça se passe à Saint-Gabriel, que ça soit un produit de Saint-Gabriel et que ça reste à Saint-Gabriel. J'ai dit, on va peut-être avoir de la misère à s'entendre parce qu'étant de Saint-Paul, je ne veux pas que tu me l'amènes à Joliette ou que tu me l'amènes à la Valtry ou autre. Il me rappelle cinq jours plus tard en me disant, Pierre-Luc, on est trois. Et j'ai deux sur trois personnes qui sont de Saint-Gabriel, dont un monsieur qui reste dans mon domaine, que je connais très bien à Saint-Gabriel. Et puis, on est, on est trois actionnaires et deux sur trois seraient, seraient des résidents de Saint-Gabriel. Est-ce que tu acceptes J'ai dit, merveilleux, je signe les papiers tout de suite. On n'avait même pas changé de prix. J'ai signé le papier. J'ai dit, c'est beau, il n'y a aucun problème avec ça. Valide. Pas de pro, et moi je pensais qu'il y avait encore du blizzard à Saint-Gabriel avec cette décision-là. J'étais plus là, J'aurais acheté quatre billets de saison pour encourager. Malheureusement, à la Ligue, ça n'a pas passé. Parce qu'encore là, ça allait dit « Ah ben là, c'est Payette et Payette et le problème et Mayotte a le problème. Les, les deux sont écartés, là. Les deux sont assez, mais oh, on refuse pareil parce qu'on calcule que les 50 joueurs sont 50 problèmes. Ils sont 50 cas problèmes. Et puis c est, c est, On calcule qu'on oh, n'est pas sûr que c'est la bonne chose. Paf, refuse la vente. Là, Dans le fond, à toutes les fois qu'une solution a été apportée, il y a une barrière qui se crée par, oui. par la ligne. Oui. Puis, continuellement, une nouvelle barrière. C'est là-dessus qu que nous, on veut épier. Au début, c'était Pierre-Luc Payette le problème, oui. Pierre-Luc Maillot. Bon, OK, eux autres sont, sont plus là. là. Et, et voilà. Puis après ça, ça euh, Pierre-Luc ne peut plus être propriétaire. C'est ça. Gilles offre de prendre l'équipe. Non, ça ne marche pas. Là, ça prendrait un, un acheteur externe. On en trouve trop. Non, ça ne marche pas plus, là. En, en plein ça. À Parce que là, ils ont peur que les 50 trop de joueurs soient trop fidèles ou à l'équipe. C'est ça. Là, là, à ce moment-là, on se retrouve avec un paquet de solutions, mais à chaque fois, un nouveau problème. C'est là-dessus qu'il faut que nous, il faut qu'on pèse pour trouver les, les technicalités officielles, puis il faut qu'on trouve les, les points où est-ce qu'il y a eu des erreurs. Parce que là, les 50 joueurs qui étaient 50 cas problèmes, les 50 ont été repêchés au complet. Et puis là, tout d'un coup... Ces 50 joueurs-là ne sont plus des coproblèmes. problèmes Non, ils leur sont corrects. Là, là, les 50 joueurs, c'est merveilleux dans leur équipe. Les, les, les gouverneurs là, sont contents, la Ligue est contente, puis ils font la promotion sur les autres. Puis en passant, ces 50 joueurs-là, c'est 50 amours, c'est la, la, la blizzard on a tout le temps dit c'est une famille, c'est notre famille, c'est la famille des gens de Saint-Gabriel. Ces 50 joueurs qui sont merveilleux, mais on les a traités de 50 sauvages. Mais une fois dans leur équipe ailleurs que Saint-Gabriel, « Ah, là, par exemple, c'est 50, 50 joueurs qui sont très corrects, tout est parfait. C'est ça, ça que je n'ai pas accepté. C'est ça que je n'accepte pas. » C'est là-dessus, sur ces points-là, qu'à chaque fois qu'on nous a mis des bâtons dans les roues parce qu'on nous a posé un problème, on amène une solution, puis on nous la refuse. C'est là-dessus qu'on va se pencher avec euh, mon avocat du bureau pour voir ce qu'on peut faire avec ça à ce moment-là. OK. Et avec tous ces, ces chaboulements-là, on sait que la Ligue s'est modifiée pas mal. Elle est a 11 équipes au lieu de 8. Et là, Louisville a failli fermer parce qu'il y avait des problèmes de, de, de location de glace là, au niveau monétaire. Est-ce que Saint-Gabriel, avec tout ce qui s'est passé là, aurait pu suivre la parade, incluant la fermeture de ses rivaux locaux qui sont Louisville et la montée en flèche là, des, euh, des salaires ou des, euh, des frais de dépense accordés aux joueurs? c'est une bonne question. Là. Oui, Saint-Gabriel aurait pu la parade sans problème. Euh, Saint-Gabriel n'était pas nécessairement euh, viable, mais les pertes étaient, étaient bien parce que les joueurs venaient pour une bonne raison. C'était pour jouer ensemble, pour jouer au hockey ensemble. C'est un groupe d'individus qui viennent pour être ensemble, pour jouer ensemble, c'est pour eux aussi qu'on va se battre à ce moment-là. Et puis, c'est leur raison, c'est ça. C'est pas nécessairement l'enveloppe, c'est pas le cachet. Oui, Louisville, là, un mot ou deux ont été sauvés par le gouvernement pour dire, OK, on va vous sauver ça. Mais je veux pas mettre tout le monde dans le, ba dans le même bateau. Saint-Cyril ne donne pas énormément de comptes de dépenses. Saint-Gabriel n'en donnait pas non plus. Euh, à ce moment-là, je pense pas qu'un gars comme Nick Majot va, va ouvrir le portefeuille. Oui, c'est vrai que, OK, peut-être que Saint-Léo, qu'on disait, Saint-Anne et Louisville donnaient d'énormes. Il euh, y avait des rumeurs qui disaient, bon, que la brigade défense de Louisville de gagner énormément là, euh, de, en, en, en salaire. Et puis, ce qui était surprenant, c'est que Louisville sont le club qui a joué le plus de matchs à domicile. Donc, de les voir euh, fermés, euh, ça, ça, ça peut être inquiétant, mais tout est une question de gestion. Puis moi, à Saint-Gabriel, je n'ai jamais eu de problème avec les joueurs. Je considère que tous les joueurs gagnaient le même compte de dépense, à peu près, sauf ceux qui, 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 qui jetaient les mitaines. Ailleurs, ils feront ce qu'ils voudront, mais oui, on aura pu suivre la parade sans problème parce que j'ai jamais eu de conflit avec ça, j'ai jamais eu de problème avec ça. Les joueurs sont extrêmement compréhensibles. Donc, de voir Louisville fermé à cause qu'ils n'arrivent pas, c'est leur gestion à eux. Ils, ils donnent les enveloppes qu'ils veulent, mais non, ça ne pas euh, effrayé tant que ça. Puis, je ne considère pas que c'est toute la ligue qui est comme ça euh, au niveau de la Mauricie. Là. OK. Et euh, ensuite, pour euh, poursuivre, euh, pour il euh, y a eu une. Euh une rumeur ou une tentative, plutôt, on devrait plutôt dire, d'une création d'une nouvelle ligue. Oui. Ça, il y arrive quoi avec ça? C'était la LHSP créée par euh, Patrice Tessier qui. Est... C'était un projet qui était merveilleux, je trouvais. J'avais embarqué énormément parce que je trouvais que les dirigeants de la Ligue euh, qui étaient là, c'était des gars de hockey. C'était quatre gars là, qui, qui avaient du hockey vécu là, euh, énormément. Tu sais, juste qu'on pense juste à Pat Normandin, que moi j'ai connu dans, dans nord américaine là, qui était arbitre, puis qui était arbitre en chef aussi. Je veux dire c'est des grosses pointures qui débarquaient là avec du vécu. C'était important, c'était rassurant euh, à ce moment-là. Pierre-Luc Petit était à la table, Pat Lasalle était à la table. Pat Tessier, le, 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 le bâtisseur, était là. Il y avait même Guillaume, l'ancien goalur de Donnacona qui était à la table. Aussi. Euh, quand Pat -t -t a bâti euh, la ligue, euh, tout était parfait, on s'entendait bien, on avait six équipes. Et puis deux semaines après, il y a eu plusieurs rumeurs là, que je ne mentionnerai pas ici, là, par respect pour Pat Tessier, parce que je m'entends quand même bien avec Pat Tessier. Euh, Pat Tessier a dit deux semaines avant Bon, bien, malheureusement, il se retire du projet parce qu'il se partait un restaurant et ces choses-là. Mmh. Il était, comme on dit, dans le jus énormément. Là. Et puis malheureusement, il y avait moins de temps là, pour s'occuper de la ligue. Puis c'est dommage parce que, hop, on était six clubs, puis à deux semaines du, du lancement, Pat Tessier a dit ben malheureusement, je dois, je, dois, je dois quitter ou donner pas suite parce qu'il manquait un petit peu de, 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 de monde avec lui. Ou puis ces choses-là, il y avait moins de temps qu'ils pensait Et ça, ça a été très, très dommage. ce que ça ne veut pas dire que l'an prochain, Pat Tessier va dire go, on recommence peut-être mais pour cette année, c'est pour ça, et c'est la seule et unique raison pourquoi il n'y a pas eu de ligue. Parce que sinon, on embarquait, tout le monde était parti dans ce beau projet-là. Mais malheureusement, Pat Tessier, qui est le bâtisseur et surtout un gros vendeur au niveau de la ligue, parce que, bon, je te l'ai dit tantôt, là, moi, les, les Michel laurendeau Bob Burger, je les adore, mais Pat Tessier, c'est la même chose au niveau mmh. du cinéma Rodin ouais, ouais. Quand Pat Tessier est derrière un banc, je veux dire, c'est certainement. Il va certain se que passer quelque que dans pas chose ça. va se passer quelque chose, et puis mmh. les, les partisans vont se déplacer. Puis je pense que le Seigneur, c'est important pour ce Donc, se cacher, là, là. pour ce qui concerne cette, cette ligue-là, -là, c'est le projet est endormant. Il n'y a rien de mort, là. Oui, on peut dire que c'est endormance. C'est le bon mot. C'est endormance. Ça nous a donné un gros coup quand ça l'a euh, arrêté. Quand Patési nous a dit ça, on, on a mis un genou au sol. Euh, là, c'est endormance présentement. Il y a, on a différents appels là, pour créer euh, différentes choses. C'est c'est ce qu'on va voir. Mais là, présentement, euh, on va mettre nos énergies euh, avec mon avocat du bureau. Voir quel point technique qu'on peut faire au niveau de, de la Seigneurie d'Amorici. Parce que là, les, les camps sont finis, les matchs vont commencer. Bon, vous allez remarquer, il n'y aura pas d'hockey à Saint-Gabriel. J'en suis sincèrement désolé. Nous, on va se battre sur les petites technicalités qu'on qu pense qu'on a raison. Euh, L'avocat au, au bureau, bien, il va faire un petit peu moins d'assurance, puis il va faire un petit peu plus d'hockey. Il va essayer de trouver les points là, litigieux qu'on peut, qu peut gagner. Il va il a, il a scruter dans le, dans le, dans le règlement à la loupe. On a demandé des procès-verbaux. Toutes ces choses-là pour qu'une personne neutre, un juge, vienne dire ben oui, vous méritez votre sort. Non, vous ne le méritez pas. Puis l'autre ligue qui est toujours en dormance, mais on continue de recevoir les appels. C'est sûr qu'à que ce moment-là, nous, on est, toujours, on est toujours ouvert à faire du hockey à Saint-Gabriel. Et c'est mon seul et unique but, c'est de faire du hockey à Saint-Gabriel. C'est important que le Blizzard revienne euh, dans l'identité qu'il est. Et puis ça va être important à ce moment-là. Qu'on trouve une solution, peu importe. Bon, euh, je veux du hockey Seigneur à Saint-Gabriel. Tu en veux, Martin aussi. Tout le monde en veut. La, la ville est derrière nous. La paroisse aussi. C'est merveilleux. Je vais me battre pour ça. Euh, tous, les, tous les jours, je reçois des messages. Fait que, euh, je ne vous lâcherai pas. Euh, Martin ne lâchera pas non plus. Tout le monde est là. On va se battre pour ça. C'est ça. Oui, ce exactement. Faut faire. Bon, mais ben, c'était agréable de vous raconter toute la, la fête saison qui ne s'est pas terminée. Euh... Comme on aurait voulu, mais avec tous les développements et toutes les procédures en cours. Et euh, j'espère que ça vous a éclairé sur les, sur les questions. S'il y a d'autres questions, oui, n'hésitez pas à nous les ça. envoyer. Euh, quitte, on peut s'engager même à faire une autre émission oui. dans le futur. On n'a pas de problème. On l'a dit, on l'a toujours dit. On va travailler pour les partisans. Vous le méritez. La région le mérite. Puis, on ne lâchera pas le morceau. C'est ça. C'est important, je veux remercier tous ceux qui nous supportent, les bénévoles, les, euh, tous ceux qui sont dans l'entourage de l'organisation. Je reçois vos messages là, à tous les semaines, vous demandez des nouvelles, ces choses-là. Euh, sérieusement, c'est vraiment waouh! C'est merveilleux parce que ça veut dire que vous ne nous oubliez pas, puis nous on ne vous oublie pas. Je veux dire que le Blizzard n'est pas mort, il est simplement en pause. En pause à chercher des solutions diverses pour essayer d'évoluer dans une ligue et puis essayer de se défendre dans un contexte où on sent qu'on s'est fait brosser un petit peu, un petit peu trop à ce moment-là, puis on a amené des solutions, fait qu'on va les faire valoir. On va vous tenir au courant, puis s'il y a quoi que ce soit, vous ne nous gênez pas, moi, Martin, peu importe les membres d'organisation, posez vos questions, puis je vous encourage quand même à suivre tous les joueurs qui évoluent, vos, vos, vos blizzards qui évoluent un peu partout, allez les suivre. Et puis, euh, comme je vous dis, là, rien n'est mort, mais tout est en pause présentement, je suis obligé de vous confirmer ça. On travaille fort au niveau de la paperasse pour essayer de, de trouver où est-ce qu'on pourrait remporter nos points, et les faire valoir. Exactement. Merci à tous.